Et salut à tous, et bien on se retrouve pour une petite vidéo, non pas de 4 mais de 5 boosters parce que cette fois-ci, oh mon dieu, ils ont été originaux, ils ont mis 5 illustrations de la série du coup Règne de Glace. Alors à chaque fois que je marque Règne de Glace, moi je lis Règne des Neiges, hein. Mais voilà, parce que la police, je sais pas, ça me fait penser comme ça, puis le fait de savoir qu'il y a la neige, le froid, la glace autour, ça me fait penser à ça. Donc du coup, on va en ouvrir 5. Alors pourquoi j'ouvre des boosters comme ça? Tout simplement parce que c'est des boosters qui sont introuvables. Sur Internet, les stocks sont en rupture partout. En boutique, pas plus tard que ce matin, j'ai fait Carrefour, Cultura, Micromania, King Jouet, Maxi Toys. Il n'y en avait nulle part. Alors attention, je vais éternuer, ça vient. Ça vient, mais ça ne vient pas. Bref, j'éternuerai en plein milieu de ma phrase, c'est pas grave. Et donc du coup, bah, en fait, j'ai dû me rabattre, et heureusement, dans un sens, un tabac presse. Qui avait un display de 18 et un display de 36. Enfin, 18 ou 24 d'ailleurs, je ne sais pas la profondeur. Mais du coup, j'ai fait ça. Donc, je m'en suis pris 10 exactement. Donc là, je vais en ouvrir 5 comme ça. Et puis, je vais en ouvrir 5 mois en dehors, hors caméra. Mais par contre, du coup, ils viennent des deux displays à la fois. Parce que celui de 18, il en restait genre 2, je crois. Et l'autre, alors l'autre était déjà ouvert, étonnamment. Parce que enfin, je me serais attendu à ce qu'ils aient fini le premier pour ouvrir le deuxième. Mais bon. Et du coup, bah, tous les autres viennent de l'autre, donc on verra. Mais bon, voilà, ça m'a paru un peu bizarre que les deux soient ouverts à la fois. Ou alors peut-être qu'ils avaient ouvert un et qu'ils ont mis des boosters de l'un dans l'autre, j'en sais rien. Enfin bref, on verra bien. De toute façon, si je me tape 10 rares, je comprendrai pourquoi. Mais bon, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc les trois illustrations des trois oiseaux de Galar et les deux illustrations du Silver Roi, j'allais dire Silver Lion. Silveroy, cavalier de l'effroi, et Silveroy, cavalier du froid. Quelle originalité! Mais voilà, en tout cas, je vois pourquoi ils ont mis 5 illustrations, du coup, puisqu'il y a quand même 5 Pokémon représentatifs de la série. Mais du coup, je vois pas pourquoi ils l'ont pas fait dans d'autres séries, parce qu'il y a déjà eu d'autres séries où, bah, je sais pas, tu regardes Pouvoir Émergent, Boreas avait eu le droit à son illustration, Puffulgurisk ou des choses comme ça. Alors que c'était les deux seuls ultra rares de la série. Donc je sais pas. Enfin voilà, on va s'ouvrir ça. Et puis bah, du coup, au moment où je tourne, donc là, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sera en ligne, peut-être demain, je ne sais pas. Ce soir, il y a un petit France-Portugal ou Portugal-France, je ne sais pas dans quel sens c'est, mais dans tous les cas, ça ne se joue ni chez l'un ni chez l'autre, ça se joue en Hongrie. Donc bah, on croise les doigts pour gagner, pour se taper la première place de la poule, parce que sinon, bah, sinon ça peut être la Belgique, sinon ça peut être l'Angleterre, donc voilà, on a un peu presque obligation de gagner parce que sinon ça peut être très compliqué. Allez, c'est parti. Alors des boosters comme ça, j'en ai déjà ouvert 5 justement, un de chaque élu la semaine dernière parce qu'ils étaient j'en ai trouvé à Leclerc, mais alors à Leclerc 7,90 € le booster, voilà quoi. J'en avais pris un dans le Leclerc histoire de me dire si j'en trouve pas voilà. Et en fait dans la presse de Leclerc même il y en avait, donc j'avais réussi à en prendre les 4 autres illustrations, mais c'était compliqué. Et d'ailleurs anecdote, à Leclerc par contre, j'avais trouvé les deux Pokébox. J'en ai ouvert qu'une des deux pour l'instant, j'ai ouvert que la Tyranocif. Mais la Tyranocif contenait un Dracaufeu Gigamax VMAX de Ténèbres Embrasées. Donc bah, ça m'a fait grave grave bien quoi. Ça m'a mis grave bien. Allez go! Ça fait 3 minutes que je parle. Voilà. Sinon, pour donner des nouvelles, donc pour le Team Challenge en Coupe d'Europe, on a joué. Je jouais Scolosandre VMAX. J'ai un coéquipier qui jouait Victini VMAX et un autre qui jouait Picarom. On est tombé contre deux ADP et c'était qui le dernier? Je sais plus. C'est celui contre qui j'ai perdu. Et Chifourse Rapid Strike là, le bleu. Et alors moi j'ai gagné 2 combats sur 3, c'était très bien. Sauf que mes coéquipiers, il y en a un qui a gagné 1 combat sur 3 et l'autre qui a tout perdu. Donc du coup on a été éliminé malheureusement. Voilà, mais du coup je suis très content de ma performance puisque j'ai gagné 2-0 mon premier tour, 2-0 mon deuxième tour. Le troisième tour, je menais 1-0, mais j'ai perdu les deux games d'après parce que, en gros, j'avais pas de banc. Genre, il y a une game, je l'ai perdu tour 1 parce que j'avais que un Zigzaton 70 PV en gros. Et puis bah voilà, quoi, si t'as pas de Pokémon de banc, quand le Pokémon actif est KO, c'est fini. Alors, Lona. Or, du coup, ouais, la plupart des cartes, je les ai pas. Hein. Attacher une énergie haut de pile de défaut, c'est l'un de Pokémon V et piocher 3 cartes. Ok, c'est presque comme soudeuse en. Alors. En moins puissant dans le sens où on n'attache qu'une seule énergie, mais en plus puissant dans le sens où l'énergie ne vient pas de la main, mais de la pile de défaut, ce qui est vachement bien. Voilà. Après, c'est directement un Pokémon V, sachant qu'on a déjà Belle de Neige qui fait un sacré taf. Mais voilà. Enfin, je pense que la carte a un intérêt. Cherchez dans votre deck, c'est 3 Pokémon 1000 points. Ok, c'est très très fort, très très bien.
Tour 1, lorsqu'on ne commence pas, s'appelle vachement bien. Scobolide. Quel artichaut de Galar, il est très rigolo. Morpheo forme eau de pluie. Oh, joli, 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 j'adore avec les roses oranges autour là. Superbe. Pyronil. L'Arméléon, il est très rigolo. Très, très rigolo. Et Cooksy. Ok, j'en ai eu un shiny il n'y a pas longtemps. Sur Pokémon Go, hop, en reverse. Fougleur. Ah, j'adore Fougleur. Ok. Et on va. Oh, c'est une alternate! Oh, c'est une alternate! Incroyable! C'est un. Oh là là, bah voilà, bah écoutez. C'est une. Si je me demande si c'est pas ma première alternate que je pioche depuis toujours, genre. J'en ai jamais pioché. Incroyable. Waouh! Oh bah je suis trop content de m'être déplacé encore parce qu'aujourd'hui j'ai marché et j'en ai marché. Hein, mais mon téléphone doit me dire que j'ai marché 20 000 pas, sachant que ce matin j'ai couru 15 km, donc en fait j'en ai fait 35 000 minimum. Ah je suis content. Trop bien, trop trop bien. Incroyable. Ouais, je pense que c'est la première alternate que je pioche, sachant que ça existe depuis Duo de Choc peut-être. Donc ouais, il était temps j'ai envie de dire. Et c'était une illustration cavalier du froid, donc bah, voilà. On est refait. Et bien voilà, on continue. Et puis surtout, moi je suis très content pour les codes online, parce que les codes online. Ah bah ben, j'ai déjà les deux. Donc la rare sera à gauche cette fois-ci, et la reverse à droite. Parce que bah, j'en ai pas. Comme je n'ai pas ouvert de booster, je n'ai pas fait de pré-release, et voilà. Je ne pourrais pas beaucoup avancer sur le jeu en ligne, hormis si je tryhard le jeu, sauf que j'ai pas que ça à faire. Galégon, uniforme de survie, regardez les trois cartes du dessous de votre deck, placez-les dans l'ordre de votre choix sur le dessus. Avec Gouroutan, ça peut être super sympa ça, et en étendue, ça peut être super sympa avec Zoroark. En vrai, la carte en elle-même n'est pas puissante, mais par contre, combinée à un talent est incroyable. Cimetière ancien, surtout que, oh, combiné avec une Marnie, où là on remet déjà les cartes en. Oh, ça peut être excellent ça. Cimetière ancien, chaque fois qu'un joueur attache une carte énergie de sa main, placer deux marqueurs, ok. Ça peut être cool aussi. Après, en ce moment, il faut quand même si on pas trop trop la cote, mais ça va revenir. Croquine, Morpheo, enfin en étendu toujours, mais en standard, je suis en train de réfléchir. Bah, il y aura celui-là, peut-être là, le cavalier de l'effroi, mais sinon, c'est bien top. Rougourmand et Zébibron. Donc on l'a dit, la rare était à gauche cette fois-ci plutôt, ou à droite, je sais plus, à gauche. Hein. J'ai dû dire droite en pensant gauche. Alors l'énergie en reverse, c'est celui, très joli. Et en rare, nous avons Galeking. Ok, bah écoutez, pour l'instant, je crois pas que. Ah, ça se trouve, je l'ai déjà. J'ai ouvert que 5 boosters, mais c'est vrai que le Galeking me dit quelque chose. Bon, écoutez, c'est pas grave, de toute façon, le taf est fait, hein, j'ai envie de dire. On passe aux 3 oiseaux. Je pense que le Sulfura, c'est peut-être mon illustration préférée. C'est pas l'illustration. Entre guillemets, qu'on va retenir de la série, celle qu'on va retenir, je pense que c'est les deux du Silver Roi, mais vraiment en détail dans le dessin, enfin, Sulfura de Galar, il est incroyable. Sulfura de Galar, il a, je sais pas, il y a un truc, c'est le seul des trois oiseaux là que j'ai joué en format VGC, je le trouve vraiment bien. Touk, touk. Puis je suis content d'avoir Boreas, parce que c'est un Pokémon de la 5G, et je pense que Boreas fait partie de mon top 20 de mes Pokémon préférés dans cette forme-là. Donc je suis très content. Apiap. Ok, bon, c'est bien. C'est presque. C'est moins fort que ce qu'il y avait comme Nikolai à l'époque. Nikolai, c'était super fort. Sauf que. Ah, mais sauf que non, là c'est pioché, Nikolai, ça devait être mélangé. Donc c'est bien. Arosa. Narcisse, je vais essayer jusqu'à 2 Pokémon 1000 points, Sony. Ok. Bah, ça vaut pas Cheryl, qui en français s'appelle Sarah, de la style de combat. Aspicot avec Scarino qui fait des abdos. Morpheo en tricot. Quillfish point final, 6 Pokémon sur le passe actif et Mikio pour les dégâts. Ok. Tarsal. Oh bah mince, j'ai eu deux fois la même commune dans le booster. Bon, bah écoutez, on a eu deux fois la même commune. Il n'y a rien qui va en ce moment chez Pokémon. Du coup, je sais plus, là, cette fois-ci, à gauche, c'est la river cette fois-ci. Ouais, casque costaud. Si le Pokémon auquel cette garde attachée subit les dégâts, ajoutez à la main l'énergie. Ok. Et rare. On a. Ah, je l'ai déjà, Kalam. Lui, par contre, je sais que je l'ai déjà. Bah, c'est pas un booster ouf.
Enfin, en plus, alors c'est une commune, donc je m'en fous entre guillemets, mais si ça continue comme c'est en ce moment les cartes Pokémon, c'est possible que la série, j'arrive jamais à la compléter, parce que j'arrive pas tout simplement à trouver de booster. Donc voilà, même les communes, je pouvais commencer à m'inquiéter si ça continue. Allez, c'est parti, Articuno. Donc, 1, 2, 3, 4. Le taf est fait, là, je demande au moins une holo pour finir, ou deux rares reverse, genre ça m'irait très bien. Bon, une énergie. But du Dinarbre, les Pokémon ne peuvent pas être soignés. Ouais, ça contre pas tant de choses que ça. Énergie spirale. Tant que cette énergie. Sachez un Pokémon qui doit être à 1000 points. Elle fournit tout type d'énergie, mais seulement énergie. Il peut pas être paralysé. Je baille en même temps, je suis désolé. Hop là. Dylan. Oh, mais non, c'est booster énergie ou dresseur. Défaussez votre main et cherchez dans votre deck jusqu'à deux cartes dresseur. Oui, ok. Ça, c'est bien. C'est bien parce que tu défausses et avec les deux cartes dresseur, tu as moyen de te mettre très très bien. Si tu as besoin de la stat qu'il te faut pour finir, si tu as besoin. Même si c'était genre par exemple pour redéfausser sa main ou quoi que ce soit, tu vas chercher une rapid ball, un truc comme ça, et tu vas rechercher Nostanfer après. Enfin, t'as moyen que ça. Il y a certains cas de figure, je pense que c'est mieux que recherche professorale. Après, bon, voilà, faut le trouver. Mais je pense qu'il y a des cas de figure où il pourrait faire son trou pour l'instant. Enfin, il faudrait y réfléchir un peu. Mais je pense que ça peut être bien. Gringolem, Porygon, Wistempo, Watt-Watt et Rocabo. En reverse. Oh, on n'a pas des reverse de ouf là, encore une commune. Morpheo forme eau de pluie. Et en rare, nous avons. Oh, zéro. J'allais dire zéro aura, mais c'est Zeraora. V. C'est pas mon Pokémon que j'ai dans mon. Que je surkiffe, quoi, que j'ai dans mon cœur, mais en vrai, ça va. Si l'un de vos autres Pokémon 1000 points a utilisé une attaque pendant vos derniers tours, cette attaque affiche. Attends, waouh! Ah, c'est pas mal, hein. L'un des Pokémon 160 sur le banc, c'est excellent en vrai, hein, parce que. Enfin. Tu tues n'importe quel Pokémon qui est pavé presque. Hein. Il y a peut-être le Gorythmic là qui doit avoir 170 PV, genre. Le Gorythmic qui permet de charger avec rythme voltaïque, mais sinon, c'est bien. Lui, j'ai même pas trop lu ses attaques. Si une stade est en jeu. Ah oui, c'est vrai. Il joue avec les stades, lui, son élevé max. Donc ouais, lui, il y a un monde où c'est sympa, mais après il coûte cher. Mais il y a un monde où c'est sympa. Bah écoutez, super pioche pour l'instant. Et on finit avec le, j'allais dire le Zapdos, le Élector. Le Élector de Galar, qui a un Alternate Art que j'adore. Il court en train de monter une falaise là. Bah je vais tout garder dans la main parce que je n'ai plus de booster au fond. Mais elle est sympa. Bah écoutez, deux ultras en cas de booster, même s'il n'en avait rien, ce sera très très bien. Coxyclaque qu'on n'avait pas eu, c'est chouette. Cimetière ancien, une double énergie impact. Donc c'est pas la même que tout à l'heure. Je sais plus comment s'appelait l'autre, mais là celle-là c'est pour le poison. Ok. Zébibron qu'on a déjà eu, mais c'est qui est assez triste. Hein. Enfin c'est la fonte des glaces. Fantominus. Smogo, c'est d'ailleurs assez rigolo de faire. Enfin rigolo. Pas rigolo, mais faire la fonte des glaces alors que rien qu'avec le transport ou quoi que ce soit, Pokémon doit lui-même y contribuer. Mais bon, c'est pas grave. Smogo, donc. Et par contre j'aime bien l'illustration de celle-là. Cadoiseau, celle-là, je l'avais. Ça fait un petit moment que je la connais. Et Canartichaud. En reverse. Ah bah. Oh, il est trop mignon par contre. Le Hobali, sachant qu'on a eu le Fogler tout à l'heure. Et. Ah, pas d'holo. Et Brutapod en rare. Bah écoutez, ça reste positif. Pour 5 boosters du display du bar tabac, là. Enfin, c'est pas un bar, mais du tabac presse. Enfin, moi, le Boreas me réjouit totalement, quoi. J'ai presque l'impression qu'elle est un peu abîmée en haut, mais. Je suis super content. Et bien voilà. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que je ne sais pas du tout ce que j'aurai l'occasion d'ouvrir, enfin d'acheter en fait tout simplement. Je ne trouve absolument rien. J'espère qu'il y aura très vite du réassort, mais enfin parler de réassort alors que ça fait 3 jours que la série est sortie, enfin 5 jours allez. C'est assez triste, mais bon, on va essayer de s'en sortir. Et bien sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu lors de votre première ouverture de la série, parce que ça m'intéresse aussi. Allez, bye tout le monde!